Ok, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais faire. Donc je vais éditer les photos que j'ai prises à Ottawa avec une modèle que j'ai rencontrée sur Instagram. Donc je vais faire ça rapidement. Je pense que je vais faire trois photos. Si j'ai le temps, peut-être que je ferai quatre, bah, quatre ou cinq. Donc allons-y. Donc là, je vais ouvrir Lightroom. Donc Lightroom classique. Donc on va attendre que ça s'ouvre. Ok, donc là, je vais importer les photos que j'ai préparées. C'est ça, importer. Ok, parfait. Donc, toutes les photos sont là. On va aller dans développer. Je vais agrandir l'écran. Donc ça c'est le premier. Ok. Je vais passer par. On va voir toutes les photos. Donc les photos que j'ai prises c'était l'endroit c'était Porsche des NSI. C'est comme un parc. Ok. Je pense que je vais faire environ trois photos qui sont différentes. Je vais commencer par celle-ci. Ok, on va commencer par celle-ci. Donc, ce que je fais d'abord, je regarde si la photo est bien exposée. Si c'est bien exposé, je ne touche pas. Donc, là, ce que je vais faire, je vais dans courbe de tonalité. Donc, je fais trois points. Puis là, je vais jouer avec les tons foncés. On va juste baisser un peu. Là aussi. Donc, ce que j'essaie de faire, j'essaie de faire comme un S avec. Donc, si tu vois. Donc. J'essaie tout plein de. Donc, j'essaie des choses pour voir les résultats. On va faire ça, celle-là. Ok, ça c'est parfait. Je dois voir avant et après. Avant et après. Donc, je vais exagérer un peu le lit. Voilà, je pense que là c'est parfait. Avant, après. Avant, après. Je vais essayer d'exagérer lui aussi. Là, je pense qu'il y a moins. Donc, tu fais se jouer avec, avec les paramètres, puis voir ce que tu peux faire. Ok. Les trois ici, je ne veux pas trop jouer avec, mais. Si tu veux jouer avec, tu peux changer. Juste les looks de ta photo. On va essayer d'abord. Ok, non. Je pense que je vais ajouter le vert. Le bleu, on va laisser le bleu comme ça. Et puis après, on va descendre sur.
Cola Golding. Je. Donc. Donc, haute lumière, on va mettre un peu d'orange. On va baisser. Ok, je pense que là c'est bon. C'est bon. Avant et après, avant et après. Ok. Donc là c'est parfait. Puis après, je vais ici, je vais créer un masque. Donc je crée un masque. C'est juste pour. Donc je veux que les gens se focalisent sur le visage. Voilà, c'est parfait. Je pense que je vais changer la direction. On va aller plus. Voilà, je pense que là, là c'est parfait. Je pense que là c'est parfait. Ou j'ai mis un peu trop. Si je pense que j'ai mis un peu trop, on va juste laisser. Je pense que là c'est parfait. Donc deuxième photo que je vais modifier. Dans... Il y en avait une que j'avais adorée. Ok, on va faire. Il y en avait une que je cherchais. Ok, celle-ci. Donc même chose. Donc je vais dans courbe. Je mets 3 points. Donc ça c'est les hautes lumières. Ça c'est les tons foncés. On va s'ajouter un peu. Voilà, je pense. Si on met un peu trop, ça exagère. Attends, juste essayer d'exagérer un peu. Est-ce que ça donne? Ouais, des fois, si on exagère un peu, on perd un peu. On perd un peu de détails. Ok. Attends. On va aller dans le bleu. On va s'y ajouter un peu. Yes. Je dois celui-là. Comme ça. Ok, attends. Je vais essayer un truc. Okay, je pense qu'on va aller dans le bleu. Donc, je préfère le bleu. Comme ça a l'air. Puis après, on va dans. Cola grading, c'est comme tu peux jouer avec les ombres, ton moyen. Donc, je préfère juste mettre un peu d'orange dans les tons, dans les autres lumières. Les grains, je préfère ajouter juste un peu de grains. Bah, ça, c'est les paramètres prédéfinis que tu peux jouer avec. J'aime pas trop jouer avec parce que des fois c'est compliqué un peu, mais donc je préfère jouer à tout simplement ici dans les réglages de base. Donc peut-être que dans les futurs je vais peut-être m'améliorer, mais pour l'instant j'aime comment mes photos ont l'air. Ouais, j'ai oublié pour ici. Et la température, j'aime toujours mettre 5500 parce que des fois si c'est trop froid, c'est pas trop beau. J'aime que mes photos ont l'air plus chaud, comme là si tu vois par exemple, je mets froid et chaud, comme tu vois il y a une grosse différence. Donc je préfère le mettre entre 500 non 5000 ou 5500. Ben des fois si je vais exagérer vraiment, j'arrive à 6000 6500.
En tout cas, je préfère ça. Mais si c'est l'hiver, par exemple, si c'est... S'il n'y a pas de soleil, si on voit pas le soleil, je préfère mettre genre un peu froid. Mais pour l'instant, ok, on va laisser. Ouais, je vais laisser à 5500. Ok, on va s'écrire 5500. Comment? 5500. Voilà. Donc, lui, je pense que je n'ai pas modifié la température. Ouais, ça c'est un peu haut, en mon opinion. On va mettre 5500 pour la température. Ok, ça c'est parfait. L'autre photo que je vais modifier. Il y en avait une que j'aimais bien. Ok, je pense que je l'ai perdu, mais c'est pas grave. Donc, ça c'était juste pour vous montrer. Oh, j'ai oublié un truc. Je voulais aussi. Je vais faire un masque. Donc, tu mets un dégradé linéaire. Puis, j'ai mis un masque. Puis, je baisse un peu l'exposition. Donc, c'est pour que les gens puissent se focaliser vers le visage. Puis, tu vois. Je pense que là c'est parfait. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, juste mettez un petit commentaire. Je prévois faire ce genre de vidéo au moins une fois par mois ou deux fois. Je vais changer un peu les choses. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, juste laissez un petit commentaire. Et abonnez-vous, merci.